Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. C'est un documentaire choc qui a été diffusé hier soir sur France 3. Enfants placés, les sacrifiés de la République. Un documentaire en partie tourné au centre de l'enfance d'Ezine, où un journaliste s'est infiltré en caméra cachée, où l'on découvre des scènes d'une grande violence, notamment de la part des éducateurs envers les enfants. Un centre sous la responsabilité du département. On en parle sur ce plateau dans un instant avec la vice-présidente du conseil départemental en charge de la protection de l'enfance, Emmanuel Ajon. Au programme également ce soir, retour sur le lancement du grand débat national par le gouvernement cette semaine. Xavier Sautat en parle ce soir avec le référent de La République En Marche en Gironde, Aziz Scali. Une interview à voir dans Sotalk sur TV7. Et puis vous retrouverez également votre émission Europe. Ce soir, vous découvrirez la filature Fonti dans la Creuse. Et tout de suite, les titres de votre journal. À Bordeaux, 93% des commerçants indiquent avoir enregistré une baisse de fréquentation pendant le mouvement des Gilets jaunes, un impact économique important pour ces commerçants qui ont lancé aujourd'hui une action symbolique pour exprimer leur ras-le-bol. Une bonne nouvelle pour les passionnés de généalogie, plus de 200 000 pages de registres, répertoires et tables de cultes catholiques, protestants et israélites viennent d'être numérisées et mises en ligne par les archives de Bordeaux Métropole, deux siècles d'état civil, accessibles à tous sur Internet. Un match finalement reporté ce dimanche pour les Girondins de Bordeaux qui reçoivent Dijon pour la 21e journée de Ligue 1. Un duel à domicile pour les Bordelais qui devront confirmer leur dernière victoire à l'extérieur cette semaine. La météo, après une matinée bien fraîche demain, le ciel devrait se couvrir dans l'après-midi. Température maximale est comprise entre 8 et 10 degrés ce vendredi en Gironde. Mais d'abord, on vient de l'apprendre. Un jeune coursier à vélo est décédé percuté par un poids lourd à Pessac en tout début d'après-midi. Ce jeudi, il aurait donc été fauché par un camion et traîné sur plusieurs centaines de mètres sur la bretelle d'entrée de l'A630. Le conducteur ne l'aurait pas vu à cause d'un angle mort. C'est la brigade des accidents et des délits routiers du commissariat central de Bordeaux qui est en charge de l'enquête. Les Gilets jaunes ont rendez-vous pour l'acte 10 de leur mouvement ce week-end. Des mobilisations particulièrement fortes dans le centre-ville de Bordeaux tous les samedis qui vident les commerces de leurs clients. Les commerçants sont donc excédés. Beaucoup d'entre eux souffrent de ces manifestations. Comme vient de le révéler une enquête de la CCI, ils ont donc décidé de se faire entendre. Franck Poirot. Les commerces de la rue Pasteur à Bordeaux sont à vendre, c'est du moins ce qui est écrit sur les affiches collées sur les vitrines de ces boutiques. Un coup de com' orchestré par les commerçants de cette rue, théâtre d'affrontements et de heurts entre certains manifestants, gilets jaunes et les forces de l'ordre, plusieurs samedis de suite. Le téléphone affiché sur cet avis de vente n'est autre que celui de la préfecture de Gironde. Cette agence de voyage a vu sa vitrine détruite trois samedis de suite. Cette agence immobilière a été ravagée le 5 janvier, puis à nouveau le 12 janvier. Trop, c'est trop pour son gérant. Il a décidé de suspendre l'activité de son agence pour le moment. Et comme effectivement avec la mairie de Bordeaux, on ne peut pas mettre de volet roulant extérieur, donc forcément on ne peut pas sécuriser le local. Donc on est obligé de vider le local et attendre que ça se passe. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que j'espère concrètement, c'est que de la part de la préfecture, il y ait une sécurisation des commerces. Parce que nous, ici, sur le cours Pasteur, durant les manifestations, on voit personne. La Chambre de commerce et d'industrie vient de dévoiler une étude sur l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur l'activité commerciale dans le centre-ville de Bordeaux entre le 15 décembre et le 5 janvier. 90% des commerçants interrogés enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires à hauteur de 20% pour une majorité d'entre eux, 50% pour un commerçant sur 4. 93% des commerces ont constaté une baisse de fréquentation le samedi, la faute aux transports en commun qui ne fonctionnent pas, mais aussi à la peur des consommateurs de se retrouver au milieu de heurts entre les manifestants et les forces de l'ordre. D'autant plus que nombre de commerces font un chiffre très important en fin et début d'année, et c'est la période la pire qui peut arriver, quoi, c'est clair, ouais. En plus. Alors qu'est-ce que vous attendez maintenant? On attendrait que contre les solutions politiques, ça s'arrête. Parce que attendre c'est samedi, ça devient insupportable.
et puis il va falloir aider nos commerçants. Les commerçants bordelais attendaient beaucoup du premier week-end de solde samedi dernier. Selon la Chambre de commerce et d'industrie, la fréquentation du centre-ville a été une des plus basses jamais enregistrées. L'impact du mouvement des Gilets jaunes ne touche pas que les commerçants du centre-ville. Hors Bordeaux, 69% d'entre eux disent enregistrer des baisses de fréquentation et 66% des baisses de chiffre d'affaires. En Gironde, les commerçants les moins touchés par les manifestations des Gilets jaunes sur l'activité commerciale sont ceux du bassin d'Arcachon. Voilà, et du côté de la mairie de Bordeaux, l'impact économique est également important. Les dégâts occasionnés par les manifestations des Gilets jaunes dans le centre-ville sont estimés à 1 million d'euros, dont 400 000 uniquement pour l'alimentation du tramway par le sol. Une somme qu'il va donc falloir trouver pour financer les réparations. Écoutez. D'abord, c'est une note considérable parce qu'un million d'euros, c'est un million d'euros qui n'est pas évidemment prévu au budget. Hein. Ça, personne n'échappe à personne. C'est donc nos impôts aux uns et aux autres qui auront à payer ces dégradations. Alors, il y a évidemment un système d'assurance, mais qui est très, très, très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réparation immédiate, de toute façon, elle s'effectue sur les fonds de la collectivité si on veut être réactif au plus vite. Voilà, et sachez que le manifestant des Gilets jaunes gravement blessé par un tir de flashball ce samedi est sorti du coma. C'est son épouse qui l'a annoncé ce jeudi. L'homme originaire de Bazas avait été placé samedi soir dans un coma artificiel suite à une hémorragie cérébrale a priori déclenchée par un tir de flashball au niveau de la tête. Une enquête a été ouverte par l'inspection générale de la police nationale. Les Gilets jaunes y lancera aussi question dans Sotolk ce soir. Aziz Kali, le référent départemental de La République En Marche en Gironde, évoque le grand débat national lancé par le gouvernement et notamment la question de la réforme de l'ISF. Écoutez. Ça a servi pendant très nombreuses années les gouvernements de droite et de gauche pour dire qu'ils avaient une certaine justice fiscale. Vous savez, l'ISF, ça a d'abord été un moyen d'évasion fiscale extrêmement important et un handicap pour le développement de notre économie. Il n'y a pas de tabou. Le président de la République a dit qu'on aurait une évaluation sur la suppression de l'ISF en son remplacement par l'IFI. Si bien évidemment, on voit que cette mesure n'a pas été efficace, on reviendra sur l'ISF. Moi, je défends plutôt une forme de progressivité de l'impôt sur le revenu, peut-être une tranche supplémentaire pour les hauts revenus. Je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui travailler. Je pense que dans le cadre du grand dialogue, on aura aussi ce type de proposition à regarder. Alors justement, ce grand débat a été lancé il y a deux jours par le président de la République devant un parterre de 600 maires. Les choses se mettent doucement en place. Vous, Aziz Kali, vous en attendez quoi de ce grand débat ? Moi, j'attends que tout le monde participe. C'est pas le grand débat des Gilets jaunes, c'est le grand débat de tous les Français. Voilà votre émission Sotolk à voir ce soir sur TV7. La Nouvelle-Aquitaine en tête des régions les plus dynamiques de France. La Nouvelle-Aquitaine est en effet en tête du classement réalisé par Région Job avec une évolution de 31% du nombre d'offres d'emploi, plus 31% donc l'année dernière. L'Île-de-France qui était en tête en 2017 se retrouve reléguée à la 5e place du classement. Et puis dans l'actualité également, un homme interpellé à la gare Saint-Jean avec 1,5 kg de cocaïne. Le Guyanais de 19 ans avait dissimulé plus de 500 grammes de cocaïne dans les semelles de ses baskets, conduit au CHU pour y passer une radio de l'appareil digestif. Le passeur a reconnu avoir avalé 85 ovules de cocaïne représentant près d'un kilo de produits. Il a été placé en garde à vue. Comment adapter l'agriculture face au changement climatique ? C'était le thème d'un colloque qui avait lieu aujourd'hui à l'hôtel de région de Bordeaux. Selon les intervenants, la Nouvelle-Aquitaine, qui est la première région agricole d'Europe, doit agir rapidement pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Écoutez. Je pense qu'on est dans des régions où ces impacts sont déjà visibles, en fait, comme partout sur la planète. C'est malheureusement le début de changements qui vont progresser dans le futur. Donc je pense qu'il faut maintenant prendre en compte ce qui se passe. On voit sur le domaine de l'agriculture des évolutions sur la dynamique des espèces, des problèmes d'eau qui sont partagés maintenant, qui peuvent venir à manquer l'été avec des étiages qui vont être plus bas dans le futur. Il y a urgence par rapport à ces problèmes parce qu'ils sont en évolution rapide et irréversible. Et on voit que le temps n'est pas rattrapable. C'est-à-dire que tout ce qu'on met comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il va y rester, il sera là pour longtemps. Et tout ce que l'on traîne à faire en termes d'adaptation, c'est des choses qui font qu'on sera acculé à des décisions beaucoup moins réfléchies par la suite.
Il y a deux axes pour ne pas manquer d'eau. D'abord, il tombe énormément d'eau en Aquitaine, tous les ans. Donc, on n'est pas dans des pays du Maghreb où il y a moins de 200 mm d'eau. Ici, il tombe entre 800 et 1200 mm dans l'année. Il s'agit tout simplement de stocker l'eau l'hiver quand elle tombe, dans les périodes pluvieuses, pour pouvoir l'utiliser l'été au bénéfice de l'agriculture, mais aussi de l'industrie, de la consommation humaine. Bref, il faut adapter tout le dispositif de stockage de l'eau également aux besoins futurs de la région qui prend de plus en plus d'habitants du fait de son attractivité. Voilà, une feuille de route pour la transition agricole est actuellement à l'étude à la région. Elle doit être présentée le 9 juillet prochain. Les archives de Bordeaux Métropole viennent de mettre en ligne l'intégralité des registres paroissiaux de Bordeaux. Avec la numérisation de plus de 200 000 pages de registres d'avant la Révolution, ce sont désormais deux siècles d'état civil à Bordeaux qui sont accessibles à tous sur Internet. Dominique Parmentier. Plus besoin de se déplacer aux archives de Bordeaux Métropole pour consulter le registre d'état civil d'un aïeul, illustre ou non. Comme par exemple celui du baptême du filleul de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, c'était en 1656, à la paroisse Saint-André à Bordeaux. Baptême, mariage, décès, toutes les informations concernant les Bordelais de 1541 jusqu'en 1917 sont désormais consultables en ligne sur le site des archives. Lancée en 2014, la numérisation des 2300 registres d'état civil stockés ici vient de s'achever avec les 910 registres paroissiaux d'avant 1793. Tous les registres en fait, de la ville de Bordeaux, de Pessac et de Caudéron. Pour l'état civil depuis la Révolution, donc c'est les naissances, les mariages, les décès. On va trouver aussi des divorces et aussi des actes pour les enfants trouvés. Et on a aussi également des registres pour les protestants et pour le culte israélite. Des informations précieuses pour les nombreux généalogistes amateurs ou non, mais aussi pour les chercheurs, notaires, historiens et autres scientifiques. La numérisation va leur faciliter la tâche. La mise en ligne, effectivement, présente ce confort de pouvoir faire ses recherches à domicile, finalement. Et puis, ça facilite du point de vue professionnel, puisque les registres, finalement, peuvent rester tranquillement dans leurs espaces de conservation sans risquer d'être endommagés. Et puis, ça permet également de se dégager de l'ancien outil que l'on utilisait, le microfilm. En effet, le microfilmage, développé dans les années 80, permettait déjà de consulter sur place tous les documents d'état civil sans toucher au registre. Les originaux n'étaient plus communiqués et on travaillait uniquement avec les microfilms. Avec le petit inconvénient de ces microfilms, c'est qu'on est sur du noir et blanc et on est loin du rendu aujourd'hui qu'offre la numérisation, effectivement. Une consultation qui peut donc désormais se faire à distance. Mais il reste plein de bonnes raisons de venir aux archives. Beaucoup de documents sont et ne seront pas numérisés, pour l'instant. Lancement du budget participatif à la mairie de Bordeaux. Aujourd'hui, un budget de 2,5 millions d'euros qui doit permettre à tout résident bordelais, sans distinction d'âge ou de nationalité, de proposer un projet d'intérêt général visant à contribuer au développement durable du territoire. Nous allons par le biais d'Internet, mais aussi de façon plus directe dans les mairies de quartier, appeler tous ceux qui habitent dans Bordeaux à proposer des projets d'équipement et à dominante de développement durable, des projets verts, si je puis dire. J'ai donné quelques exemples, ça peut être une aire de jeu, un city-stade, une placette à aménager, un jardin partagé à construire, etc. Ces projets seront présentés à l'ensemble des auteurs et puis nous en sélectionnerons une vingtaine après les avoir chiffrés et il y aura un vote. Il y aura un vote citoyen, une votation en mars ou avril. Et les trois premiers qui se seront distingués dans le vote seront ensuite réalisés par les services municipaux. Voilà donc ce que c'est que le budget participatif. L'enjeu, c'est d'intéresser évidemment les citoyens. Là où ça fonctionne, il faut bien voir que le taux de participation n'a pas toujours été très spectaculaire. Donc il y aura aussi un très gros travail d'information et de sensibilisation à faire.
Voilà, toutes les infos sont à retrouver sur le site bordeaux.fr. Le football est un match finalement reporté ce dimanche à 19h pour les Girondins de Bordeaux qui reçoivent Dijon pour la 21e journée de Ligue 1. Un duel à domicile pour les Bordelais qui devront confirmer leur dernière victoire à l'extérieur face à Angers pour recoller au haut du tableau. Écoutez. C'est très important contre Dijon, essayer d'enchaîner les 3 points de l'extérieur, il faut les confirmer à la maison. Si on va chercher les 3 points à Angers et on gagne pas à la maison contre Dijon, ça ne sert à pas grand-chose. On en a perdu assez à la maison, même à l'extérieur. Il faut absolument se reprendre et puis de faire une série. Devant le but, il faut être bon. Derrière, il faut être bon. Toutes les lignes, il faut être fort. Il ne faut rien lâcher. Ce n'est pas facile parce que c'est une équipe qui à la fois qui joue très très bien et qui est physique. Il y a les deux côtés. Qui sont et puis avec des joueurs rapides là, il y a des joueurs qui rentrent là qui vont vite, donc il faut être conscient que c'est jamais à domicile, c'est jamais facile. J'ai toujours dit moi le championnat est serré, ça se joue à peu de choses, mais à nous de faire les efforts, à nous de faire de booster pour remporter ce match là. Restez avec nous sur TV7 dans un instant. Sur ce plateau, Emmanuel Ajon, la vice-présidente du département en charge de la protection de l'enfance, vient réagir à ce documentaire choc diffusé hier sur France 3 et qui révèle de graves violences au centre de l'enfance d'Ezina. Tout de suite.